Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 95 FM et bien sûr dans le monde entier, ici et maintenant.com. J'ai le plaisir, j'ai l'honneur, comme je vous ai informé la semaine dernière, depuis la semaine dernière, vous le savez, de recevoir aujourd'hui, ici dans notre studio 95 FM, Radio ici et maintenant, mon grand maître, quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour lui, et je suis sûr et certain que le monde, ce n'est pas seulement la France, le monde, il le doit beaucoup. C'est sénateur Henri Caillavé. Mon sénateur, bonjour, comment allez-vous, mon cher ami? Eh bien, je vous remercie d'abord de l'accueil que vous me réservez, et je suis sensible à votre témoignage de sympathie. En retour, vous savez quels sont mes sentiments amicaux envers vous. Bien sûr, mon cher maître. Moi, vraiment, ce n'est pas seulement nous, maître Henri Caillavé. Le monde, il vous doit beaucoup de choses. Si on commence à parler des lois que vous avez fait voter en France concernant les femmes et beaucoup d'autres choses, surtout la dernière, qu'on parle beaucoup actuellement aujourd'hui en Europe et dans le monde, c'est question d'euthanasie, que vous êtes également président d'honneur de l'association concernant à cet acte assez intéressant. Et le courage que vous aviez toujours depuis votre jeunesse et d'avoir des idées rénovateurs, révolutionnaires en faveur de la lumière. Puisque la révolution, de temps en temps, on peut dire qu'elle peut nous ramener dans les ténèbres. Mais Henri Caillavé, dans la pensée, il y avait des idées qui nous a ramené vers la lumière. La laïcité, moi je pense que nous l'avons appris, la laïcité moderne du XXe siècle. Nous sommes dans le XXIe siècle de Henri Caillavé. Mon cher maître Henri Caillavé, si vous permettez au départ, j'aimerais bien de parler un peu de vous. C'est-à-dire vous parlez de vous-même, de l'enfant de Henri Caillavé, presque un siècle, grâce au ciel. Et Henri Caillavé aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure à mon ami Didier Doplège, est comme un garçon de 18 ans, mes chers amis, est sportif et toujours avec un esprit libre. Bien sûr qu'on va parler du dernier livre sorti, qu'on parle de maître Henri Caillavé, mais l'enfant du sénateur Henri Caillavé, comment a été commencé votre enfance? On vient de passer rue de Caillavé, c'est-à-dire Caillavé, c'est une famille ancienne de culture, de pensée, de littérature française. Mais l'enfant de Henri, comment est-ce qu'elle était? J'ai été élevé dans une famille laïque, rationaliste. J'ai appris de mon père que tous les hommes étaient revêtus d'une tunique de dignité et que personne ne devait porter atteinte à celle-ci. En cela, oui, je suis un humaniste, mais je suis aussi un rebelle. Lorsque j'étais étudiant à Toulouse, après avoir été sous l'autorité du maître qui était Yankelevitch, et que je terminais mon doctorat en droit, j'ai transporté des armes démontées pour le profit des républicains espagnols. Je ne comprenais pas que Léon Blum, auquel j'étais intellectuellement attaché, ne puisse pas permettre à la France de défendre la République espagnole. Or, à cette époque de neutralité de la France, déjà Franco était presque arrivé à Tolède, Mussolini se battait en Érythrée et également en Abyssinie et en Éthiopie, et Hitler manifestait des convulsions aux environs des Sudètes. Et comment, en 1937, ne pas comprendre que nous étions à un moment décisif de basculement? Donc j'ai pensé qu'il était de mon devoir de républicain d'aider, porter des armes pour le profit des brigades internationales. Et c'est vrai que
nous passions par la haute montagne, dans des conditions difficiles, puisque les gardes mobiles tiraient à balles réelles, et que l'un d'entre nous, anarchiste, a été grièvement blessé à son bras gauche. Nous allions jusqu'à Panticosa, et là, nous laissions les armes indispensables pour la défense des libertés. J'ai donc été un rebelle. Mais j'étais rebelle en 1940. J'étais élève officier d'artillerie, j'avais fait la guerre, c'était la défaite, et cependant, je ne l'ai pas accepté. Je n'avais pas entendu l'appel du général de Gaulle. Mais nous avons été un certain nombre d'hommes, notamment mon professeur de faculté de droit constitutionnel, André Horioux. Nous avons décidé d'entrer dans la résistance. Et en novembre 1940, je dis bien novembre, 1940, j'entrais dans le réseau de combat. Je devais par la suite, évidemment, être dénoncé et arrêté pendant de longues et longues et longues semaines entre les mains de la police allemande, de la Gestapo. Mais c'est vrai que nous n'étions à cette époque qu'une poignée de patriotes. Nous savions que le général de Gaulle était dans le camp de la liberté. Nous savions que nous avions raison de défendre celle-ci. Et à cet âge, parce que j'ai à peine, en 1900, j'allais dire 42, j'ai 28 ans. À cette époque, la mort m'est indifférente. Ouais. Ce qui est essentiel, c'est la liberté. Et je ne voulais pas, je n'acceptais pas que mon pays fut sous la botte des Allemands, et des Italiens en particulier. Donc je me suis révolté. À la libération, évidemment, j'ai été élu à la Constituante, j'avais 32 ans à peine, ouais. Quelques jours, et je me suis engagé dans la politique parce que j'ai pensé que dans ce domaine, dans cette perspective, il était peut-être possible de faire progresser des idées auxquelles mes études et l'éducation que j'avais reçue m'avaient formé. J'ai toujours pensé que nous devions apporter aux femmes, à nos mères, à nos sœurs, à nos filles, à nos compagnes, à nos maîtresses, le respect qu'elles méritent. À cette époque, maman était, je vous parle des temps lointains, ouais. En 28, 29, 30, maman était une suffragette. Ah. Et donc, j'allais sur les estrades, au milieu de femmes qui expliquaient à d'autres femmes qu'il fallait exiger le droit de vote. Et à ce moment-là, on se faisait insulter, à l'évidence. Il n'empêche qu'à la libération, les femmes ont bénéficié du droit de vote. Bravo. Et un homme comme mon père, qui était pourtant un combattant généreux, qui était un patriote. Mon père était très hostile au vote des femmes. Il me disait... Ah, le même papa était hostile. Ah oui, mon père critiquait maman en disant « Mais ce sont les curés qui vont voter. Les femmes vont à la sacristie, elles vont à la messe. » Et je lui disais peut-être certaines, mais la plupart des femmes n'y vont pas. Et puis les femmes raisonnent, elles sont majeures, elles réfléchissent. Ce ne sont pas simplement que des objets de plaisir ou de travail, ce sont des citoyennes. Donc faisons confiance quand même à celles qui nous ont portés. Et faisons de telle façon qu'elles puissent s'exprimer. Bravo. Donc j'ai vécu dans ce milieu éclairé, généreux, libertaire. Bravo. Et c'est pourquoi... Lorsque j'ai été donc jeune député, avant d'être appelé au gouvernement, avant d'être ministre, j'ai beaucoup déposé de propositions de loi, aussi bien comme député que comme sénateur. Et comme député, en 1947, je le dis pour vos auditrices, en 1947, j'ai déposé le premier texte sur l'avortement. Exact. Je considérais que les femmes étaient libres d'accepter ou de refuser le fruit de leur rapport sexuel, dans la mesure où elles n'acceptaient pas d'être mère. Et c'était une liberté fondamentale de la femme. J'ai été critiqué, on m'a traité d'avorteur, j'ai été bafoué. Il n'empêche que j'ai repris ce texte quand j'étais sénateur, beaucoup plus libéral que le texte de Madame Veil. Mais je dois aussi, à la vérité, de reconnaître que lorsque Madame Veil m'a demandé d'être à ses côtés pour le vote de cette loi, même si elle ne me satisfaisait pas pleinement,
elle était très en deçà du texte que j'avais défendu. C'était un bout de vos idées. Oui, elle était dans le droit fil de voilà. mes idées. J'ai donc été l'un des avocats de la loi de l'interruption de grossesse. Je me suis aussi battu pour notre liberté. Par exemple... Donc de greffe d'organes aussi. Oui. Ça aussi, c'est dans Henri Caillebier. Alors, là, c'est une loi que j'ai initiée. Oui. Je considérais que lorsqu'une personne était en coma dépassé, qu'elle allait donc mourir, et qu'on pouvait prélever sur elle tantôt un globe oculaire, un rein, un foie, un cœur. Pourquoi ne pas permettre à un autre receveur Bravo. Qui était dans la désolation et qui allait mourir, ne pas lui donner une chance nouvelle d'avoir une vie autre que celle qu'il connaissait et donc une perspective d'avenir. Donc j'ai renversé la preuve et j'ai dit que tout citoyen qui, de son état conscient, ne s'opposait pas à la greffe, par cela même, était un donneur de greffons pour la sauvegarde de ceux qui avaient besoin d'être greffés. Alors cette loi m'avait valu au début beaucoup de sarcasme. Oui. J'ai eu droit dans des affiches, notamment de France Soir, en première page, le dépeceur de cimetière. Plus tard, c'était l'arlequin de la mort. Il empêche quand même que ce texte a été voté à l'unanimité par le Parlement. Bravo. Et ma joie, mon honneur, ma fierté, c'est de penser que dans les grandes démocraties, c'est ma loi qui a été prise en compte et que cette loi a donc un soubassement mondial. Oui, mais je me suis aussi battu pour d'autres causes, et notamment féminines. J'ai déposé un texte sur le divorce par consentement mutuel. Bravo, oui, ça aussi c'est... Ça oui, c'était important, parce qu'un couple se forme, puis il ne s'entend plus, il se déchire. Pourquoi salir ce qu'on a aimé? Bravo. Pourquoi blesser ce qui a été beau? Bravo. Donc, j'ai dit, si la femme et l'homme sont d'accord pour divorcer, ne salissez pas le passé, ne souillez pas celui-ci. Faites en sorte que chacun garde sa dignité et faites en sorte que, par consentement mutuel, vous aboutissez au divorce. On m'a dit, c'est le droit musulman de la répudiation que vous introduisez dans le droit français. Je dis, c'est pas le droit de la répudiation. Le droit musulman permet la répudiation. Ouais. Et là, la femme n'intervient pas. Bravo. Tandis que là, il y a dialogue entre la compagne et le mari. Si la femme ne veut pas et qu'elle reproche gravement à son conjoint, son époux, des fautes, elle peut le faire, elle n'est pas obligée d'avoir un divorce par consentement mutuel. Mais dans la mesure aussi où il y a des enfants, pourquoi salir la femme? Pourquoi salir le père? Pourquoi outrager ce qui est l'avenir et la jeunesse, l'enfant? Donc tout ça faisait l'objet de débats. Et j'ai réussi quand même à faire aboutir ce texte. Et puis il y avait un autre texte auquel j'étais très attaché. C'était le texte sur le tribunal de l'informatique. Ah oui, ça c'est vrai, excellent. Donc j'ai déposé ce texte qui est devenu par la suite la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Exactement. J'ai été d'ailleurs pendant 8 ans commissaire auprès de cette commission. Et mon raisonnement était le suivant quand j'étais législateur. Aujourd'hui, nous sommes cernés par les grands ordinateurs. Nous sommes fichés 2000 fois minimum. Je vous parle d'un temps lointain. Aujourd'hui, c'est 6000 fois. Vous êtes avec des fichiers qui sont vendus, revendus, rachetés. Et vous êtes piégés et vous recevez de la publicité, vous recevez des éléments d'information que vous ne demandez pas. Vous êtes piégé, prisonnier. Et j'ai dit, si je n'ai pas accès au raisonnement informatique, je suis un îlot. Je suis donc, à ce moment-là, un esclave. Là, il faut que j'ai accès à la documentation. Exactement. Et c'est pourquoi on a donc créé ce tribunal de l'informatique et des libertés. Et à ce titre, c'est vrai que j'ai été chargé des dossiers sensibles. Le dossier des invertis, hommes et femmes, homosexuels, le dossier des mormons, qu'en France on considère comme une secte, mais qui aux États-Unis est une religion acceptée, importante d'ailleurs, de plus de 14 millions d'adeptes. Et puis j'ai eu en charge le fichier des juifs. Et à ce sujet, j'ai fait la preuve, grâce à des collaborateurs, qu'en partant de quelques noms, de professions et de rues, d'habitation,
On pouvait, sachant que M. Schwarzenberg habitait rue des Rosiers et qu'il était tailleur, qu'il était juif. Et j'ai pu reconstituer un véritable panel de juifs, vivants ou morts, peu importe, mais j'ai prouvé que l'on pouvait reconstituer un fichier. J'ai dit, mais c'est gravissime, parce que vous allez partir d'abord des juifs, ensuite des francs-maçons, je le suis, plus tard des invertis, ailleurs des femmes qui auront de la poitrine, d'autres qui n'en auront pas, un qui a 1m95, l'autre qui n'a pas. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette sélection? Faites attention, vous êtes en danger, vous mettez la démocratie en cause. Okay. Donc il faut que nous ayons la certitude que nous puissions être, dans les limites extrêmes de la loi, protégés par cette loi. Donc j'ai réussi à faire voter ce texte. Excellent. Et j'en suis également fier. Et puis, c'est peut-être aussi, peut-être, non, pas un élément de vanité, je ne suis pas vaniteux. Je connais les limites de mes connaissances et de mon courage et de ma probité. J'ai quand même bénéficié du fait que le président Mitterrand ait voulu me placer au Comité national d'éthique. Là, j'ai pu travailler dans le domaine de la vie. J'avais d'ailleurs déposé dans le dossier sur la grève d'organes. Mais je m'étais intéressé à la procréation médicale assistée. Je m'étais également engagé dans ce qu'on appelle les enfants irrecevables, entre guillemets. C'est-à-dire des enfants qui sont venus au monde pour être dans le circuit médical toute une vie. Donc, j'ai été au comité éthique. J'ai beaucoup travaillé parce que j'ai beaucoup appris. Moi, je ne suis pas biologiste. Je ne suis pas médecin. J'étais au milieu de savants, de personnalités de premier plan, on est 40, chargés de donner un avis quand on nous le demande, ou nous-mêmes nous saisir, s'auto-saisir de difficultés ou de ce que l'on croit être un élément majeur dans la discussion du progrès de la société au plan de la vie, et donc déposer nous-mêmes des rapports. Et c'est ainsi que je me suis engagé à la fois dans le débat sur le droit de mourir dans la dignité, fin de vie, et le débat sur le clonage. Ah oui, deux choses assez importantes de notre siècle. Le clonage est une menace. Oui. Actuellement, vous le savez, on arrive à cloner les petits mammifères, on clone maintenant même des équidés, on arrive donc à la limite où on peut cloner l'homme. On saura cloner l'homme. C'est une question peut-être de quelques années, mais bref. On ne peut pas encore alors. 3, 4, 5 ans. On est capable, on sera capable. Vous pensez qu'on ne l'a pas fait? On peut peut-être l'avoir fait, mais nous ne le savons pas. C'est difficile de savoir. Si dans un pays comme la Chine, ou un pays comme l'Inde, il se passe évidemment des opérations de clonage, comment voulez-vous les connaître? Mais ce qui est à peu près certain, c'est qu'en Occident, on peut cloner, on pourra cloner l'homme. Dans un problème religieux, problème moral, problème éthique, problème de société. Parce qu'il y a beaucoup d'illusions quand on me dit « je vais avoir un clone et je serai immortel ». C'est vrai que le clone va être identique à vous, biologiquement identique à vous. Mais il ne sera pas semblable, pour une simple raison. C'est que la culture qui sera la sienne ne sera pas la vôtre. Vous aurez vécu dans une époque donnée, il va vivre dans une autre époque. Et même s'il se rapproche de vous, il sera différent. Donc l'éternité en soi, la vôtre, ne peut pas exister. Parce que même si vous clonez le cloné, ce sera toujours un autre clone, mais qui ne sera pas adapté à son époque. À chaque fois, à une autre culture. Alors ce débat, nous l'avons évidemment abordé, et nous avons considéré à l'unanimité que le clonage humain était répréhensible, et que l'on devait le rejeter. Par contre, le comité d'éthique, également la majorité, à l'unanimité, a pris la décision de déclarer que le clonage thérapeutique était salutaire. On prend des cellules souches, soit dans un embryon, dans le cordon, ou parfois également dans la moelle. On prend des cellules souches. Ces cellules sont dites totipotentes, c'est-à-dire qu'elles partent n'importe quelle direction. Ici, elles vont travailler pour le système pileux, là pour le système osseux, ici pour le cœur. Bref, exactement, elles sont disponibles. Et quand elles sont prélevées dans un embryon, on peut les guider. Donc, pour l'avenir, c'est essentiel. On pourra, dès lors, éviter la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la chorée du Huntington, ces maladies qui, aujourd'hui,
déshonore celui qui les supporte et qui les afflige d'indignité. Donc, j'ai mené ce combat seul au comité national d'éthique. Et c'est vrai que nous osons espérer que l'hypocrisie va cesser. Quand nous achetons des embryons à l'étranger, pour pouvoir travailler sur les embryons. Parce que l'Église catholique dit, on ne touche pas aux embryons. C'est un être vivant, c'est un homme. Nous nous répondons, c'est un matériau. Jusqu'à 11 jours, il n'y a pas de diversification. Bravo, oui. Donc, les cellules sont des matériaux, elles partent dans tous les sens. On a bien le droit de les prendre. Puisqu'elles ne sont pas encore formées, elles ne dessinent pas le corpus et le mental de celui qui va devenir, à la fin de l'embryon, un fœtus et un homme. Donc, nous sommes engagés dans cette voie, et je me réjouis de penser que, peu à peu, les esprits sont conscients de cette évolution et que nous aboutirons à des résultats probants. D'ailleurs, j'ai écouté dernièrement que des chimistes et biologistes allemands venaient de travailler sur une protéine et que l'expression de cette protéine était l'apparition d'une toxine. Mmh. Et cette toxine attaque dans le cerveau les neurones et les neurones de la mémoire. Donc la maladie d'Alzheimer, qui est une perte de la mémoire irréversible, par suite de la dégénérescence des cellules de la mémoire, si on peut prendre à temps la maladie, on la bloque. Donc, ce sera utile parce que, dans ce siècle, aujourd'hui, un enfant qui naît sur deux sera centenaire. Bien, c'est énorme. Donc, on pourra aussi avoir beaucoup de gens frappés par la maladie d'Alzheimer. Mmh. D'autant que la vie moderne n'est pas celle des anciens, exactement, de bien loin. Donc, en présence de cette situation, on peut aussi espérer éviter les maladies d'Alzheimer et faire en sorte que demain, il n'y aura pas de charge sociale trop lourde pour protéger des personnes qui, hélas, sont devenues séniles et sont des épaves. Donc, ce combat, je l'ai mené. Je le mène et je pense que nous aboutirons. Il y a aussi cet autre combat que j'ai mené, que je mène, c'est la mort de la dignité. Actuellement, c'est question de jour. C'est-à-dire, oui, moi toujours je mets Henri Caillavé, j'ai dit, je répète, sénateur Henri Caillavé, un législateur révolutionnaire de deux siècles. C'est-à-dire, nous sommes entrés dans le 21e siècle déjà, mais depuis le 20e siècle, Henri Caillavé, sénateur, maître, était un législateur révolutionnaire que même aujourd'hui, ici et maintenant, nous sommes en l'année 2007, toujours votre combat, ça continue, c'est-à-dire, c'est dommage que si quelqu'un va donner fin à sa vie et mourir, comme vous dites, en dignité, il doit aller en Suisse. Et sénateur Henri Caillavé, qui est avant-garde de cette pensée, de cette idée française, parce que l'idée aussi, il est français, puisque Caillavé, il est français. Alors, ça, c'est vraiment dommage d'aller ailleurs pour mourir en dignité. Mais sénateur Henri Caillavé, ça, surtout puisque d'ici deux semaines, moins de deux semaines, c'est... Ça serait l'élection présidentielle. Est-ce qu'avec les candidats, vous avez pu envoyer votre message concernant cette idée-là que depuis déjà 20e siècle, vous combattez dans le monde entier et heureusement, vos idées déjà progressent. Elles sont sorties de frontières de la France. C'est-à-dire cet humanisme, parce que tout ça, c'est, à mon avis, c'est humanisme. C'est la laïcité de tous les droits. C'est la laïcité, l'humanisme. Voilà, humanisme. Alors, que pensez-vous concernant les présidentielles de 22 avril, concernant cette loi-là? Parce qu'il faut, vous dire, il faut dire à nos auditeurs, sénateur Henri Caillavé aussi était d'origine. C'est lui qui a proposé, dans les années 80, de ramener le mandat présidentiel à 5 ans. Et ça, c'était il a pris place par Jacques Chirac. Alors, c'est-à-dire, vos projets, vos lois, déjà, je suis franc, et on peut le dire, depuis deux siècles, nous sommes dans le 21e siècle, depuis le 20e siècle, le combat et les idées rénovateurs, révolutionnaires, vers la lumière et la laïcité, ça continue. Alors, concernant cette mourir en dignité, vous pensez, les candidats, pour faire quelque chose à votre, vous, oui, à votre avis? On les a sollicités. Oui. Certains ne nous ont pas répondu,
D'autres ont dit qu'il fallait garder la législation actuelle. Et Madame Ségolène Royal a dit j'appliquerai la mesure prise par le Parti Socialiste. Nous sommes favorables à la dépénalisation de l'euthanasie. Donc, ce débat est au cœur. C'est-à-dire que les socialistes, nous sommes sûrs et certains. Je pense quand même que les prochains députés, parce que l'élection présidentielle est importante. Mais je dis avec les socialistes, oui. Président et Parlement. Voilà. Eux, on dit oui. Le Grand Orient de France, qui est une institution philosophique, a dit oui. A dit oui. Donc, il y a une progression. Pourquoi ? En Belgique, la mort dans la dignité est reconnue comme licite. Et à condition de suivre un certain nombre de prescriptions, vous avez le droit de mourir dans la dignité. La dignité, parce qu'il faut quand même le souligner, ce n'est pas ce que pensent les autres de moi. La dignité, c'est une convenance personnelle. Bravo, très important. Est-ce que je me juge digne de continuer à vivre, ou est-ce que l'existence qui est la mienne est véritablement une épave, c'est un naufrage, j'insupporte l'environnement, et je n'ai plus le droit à continuer cette existence qui n'est plus aujourd'hui avec des projets. La dignité est donc personnelle. Mais il est évident que mourir dans la dignité exige un cadre pour éviter les déviances. Exact. Parce que je reviens un peu en arrière. Quand j'ai fait la loi sur la greffe d'organe, ouais. C'était un don. Or on sait qu'aujourd'hui, on achète des organes. On achète, c'est vrai. Et même en Chine, on exécute des individus qui ne devraient pas être condamnés à la prison, mais simplement aux travaux forcés, on exécute pour prélever tout de suite pour le profit de celui qui attend et qui est riche, un organe indispensable. Je referme ma parenthèse. Donc dans les mêmes conditions, on peut craindre que pour avoir un héritage plus tôt, on aide le père ou la mère à mourir. Ou un oncle qui aurait une vigne que l'on voudrait agrandir. Là, il faut un cadre. Les Belges ont dessiné un cadre. Les Hollandais ont également dessiné un cadre. Et les Suisses ont également, par le code pénal, organisé l'assistance à la mort volontaire. Mais c'est ces trois pays et ceux qui ont... Ce sont des pays protestants. Protestants en plus. Et est-ce que les règles sont différentes ou presque pareilles? Ils ne sont pas comparables. Ah, ne sont pas comparables. Le plus audacieux, c'est le suicide assisté qui est prévu par l'article 114 et 115 du Code pénal de Suisse. Si vous êtes membre de l'ADMD et que deux docteurs disent que, effectivement, votre demande de délivrance, parce que vous êtes âgé, ou parce que vous avez des douleurs insurmontables, ou des souffrances psychiques que vous ne pouvez pas maîtriser, si ces deux docteurs considèrent que votre demande est libre, qu'elle a été réitérée, qu'elle est révocable, parce que peut-être qu'au dernier moment, vous basculez, vous dites, je ne veux pas qu'on me touche. Dans ces conditions, si vous êtes membre de l'association, vous allez dans un établissement public, je dis bien, établissement public, vos amis vous portent... Pas à la maison. Ou si vous voulez. C'est à la maison. Mais on préfère. La présence de moi. Oui, parce que on peut plus facilement apporter les médicaments à l'hôpital, à l'établissement public, à l'EMS, et dans ces conditions, on vous aide à absorber les éléments mortifères. Mais on vous tient la main, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas dans la solitude. Moi, lorsque j'ai aidé mon père avec mon frère à mourir, pourquoi ? C'est que notre père avait décidé de se suicider. Il avait 90 ans, il voulait plus vivre. Il nous l'a dit. Vous allez me retrouver, je me serai logé une balle dans la tête. Est-ce qu'on allait laisser notre père mourir tout seul ? Il nous a dit, mais alors, restez à mes côtés. Aidez-moi à mourir. Et nous encourions la réclusion. Moi, j'étais avec 4 enfants, 4 fils. J'étais radié de l'ordre des avocats. J'aurais été également... Je perdais tous mes mandats électifs. C'était grave. C'était mon frère, pharmacien, rayé, lui aussi avait de la famille. Mais l'amour que nous portions à notre père a été tel que le code pénal, nous ne le connaissions pas. Là aussi, nous étions des rebelles. Et nous avons donc aidé papa à mourir. Je dois vous dire que c'est une grande satisfaction morale de penser que mon père, qui a fixé la date de sa mort. Ah, lui-même, il a fixé. Il est mort. Nous étions à ses côtés. On le tenait par la main. Et il a eu
un regard magnifique quand il a vu qu'il allait s'endormir et qu'il savait que nous ferions la piqûre de chlorure de potassium, il nous a regardé, il nous a dit, je savais que vous m'aimiez, mes fils. Mmh. Émouvant. Et pourquoi il voulait mourir? Parce qu'il nous avait dit, et ça avait été déterminant, la lampe est sans huile. Mmh. Autrefois, les lampes étaient à huile. Exactement, oui, oui. Oui. Et donc, oui. Il n'y avait plus d'huile, il voulait mourir. Je reviens à notre propos maintenant. Ça aussi, c'est un oui. De vos courage, grand courage d'Henri Caillavé. Ah, oui. Surtout à l'époque. Hein. 1960. 1960, c'est-à-dire, cette courage, vraiment, c'est énorme. Et depuis, est-ce que cette acte-là... Ça avançait. Est-ce que cet acte-là qui vous a ramené de passer les lois concernant l'État? Oui, il y a deux. Un, j'ai appris et j'ai été l'avocat dans cette affaire oui. D'une jeune femme qui avait 18 ans, qui était la maîtresse d'un patron pâtissier boulanger. Elle n'avait pas de relation. Elle est allée à Tarbes. Elle est tombée entre les mains, entre guillemets, d'une faiseuse d'ange. Et elle est morte d'une crise comme si à 18 ans. Oh là là. Ça m'avait révolté. Parce que ma femme, si j'avais pas voulu un quatrième enfant, dans ma famille il y a des médecins, j'étais député, j'avais toutes les facilités, optima, pour faire avorter ma femme. Selon que vous serez puissant ou misérable. Donc, je me suis révolté. Et quand j'ai aidé papa à mourir, j'ai dit, mais quand même, il faut se battre sur la mort. Parce que la mort, c'est le dernier acte de la vie. On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Moi, personnellement, je ne suis pas croyant. Mais je respecte ceux qui croient. Il y a peut-être en effet autre chose. Mais ce basculement, il ne faut pas être seul. Et mon père avait fixé la date. Et il nous a dit, c'est ce jour-là. Et c'est vrai que c'est ce jour-là... Que c'était quel jour, maître? Pardon? C'était quel jour? C'était vous rappelez? Jeudi 26 décembre 1960. On avait passé le déjeuner... Quelque rapport avec le 25 décembre? Non, on avait déjeuné. On avait eu le déjeuner de Noël. Déjeuner Noël. Il y avait mes enfants, il y avait ceux de mon père, de mon frère. Mon père a été parfait. Personne ne pouvait savoir ce qui allait se faire. Mais monsieur Bassis, je vais vous dire, ce n'est pas d'avoir aidé papa à mourir qui est dur. C'est que nous n'avons pas pu le dire à nos femmes. Ah. Or, moi, je devais une partie de ma liberté... Par rapport à la Gestapo, parce que ma femme n'a pas bronché. Elle avait son gros ventre, elle allait accoucher, elle a été violentée intellectuellement, elle n'a pas... Et je veux dire à celle qui m'avait déjà donné 4 enfants que j'avais aidé mon père à mourir. De peur, un jour un propos, en discutant, qu'un enfant l'ait entendu. Et mon frère et moi, nous sommes convenus de n'en parler que beaucoup plus tard. Et de fait, c'est 15 ans plus tard 15 ans. Que mon frère 75, et moi, alors. Nous l'avons dit à nos femmes. Mais ma femme m'a dit, je m'en doutais et je le savais. Ah. Donc elle l'avait compris. Parce que je l'avais quitté, j'étais revenu, j'étais bouleversé. Et aux obsèques de mon père, au crématoire, je pensais quand même, quand j'ai vu partir le cercueil, je pensais que c'était moi qui avais donné la mort avec mon frère. Bon, tout ça, c'est pour vous dire que la mort fait partie de la vie. Il faut respecter la mort. Il faut non pas l'occulter, mais l'humaniser. Elle est en nous. Elle est inéluctable. Donc, que nous soyons venus dans l'univers sans aucune cause, que l'on soit né par le hasard ou la nécessité, même s'il n'y a rien dans l'au-delà, peu importe. On a été des êtres humains. On a droit à être respecté en cette qualité humaine. Et même si nous n'avons été qu'une petite luciole dans la nuit, et que notre existence est infiniment petite par rapport au cosmos, il faut respecter autrui. Et la dignité de la mort fait partie de la dignité de la vie. Alors, sur tous ces combats, c'est vrai que j'ai mené, mais il y en a un autre auquel je me suis également attardé, c'est la défense des homosexuels. Ah oui, c'est vrai. Moi, je considère que l'identité sexuelle doit être protégée. Que deux femmes s'aiment, pourquoi pas? Ce n'est pas à moi à juger. Moi, j'aime une femme, je n'aurais pas aimé un homme. La nature ne m'a pas permis d'aimer un homme. Elle m'a donné la joie de participer avec une femme à l'amour. L'identité... Elle se porte dans la tête. Il y a des femmes qui se croient hommes, il y a des hommes qui se croient femmes,
c'est leur liberté. L'alcôve est libre, à condition qu'il n'y ait pas de violence. Exact. Et moi qui ai défendu les homosexuels, hommes et femmes, par contre, je trouve très malsain. Nous avons ces cortèges de gays, quand je vois deux hommes qui s'enlacent et qui s'embrassent, deux femmes qui se frottent, non, qui fassent ça entre eux. Mais je ne suis pas obligé d'y participer. Ça, c'est malsain. Ça, c'est de l'exhibitionnisme. Pour autant, il faut défendre la liberté sexuelle à condition qu'il n'y ait pas de violence. La pédophilie, il n'est pas question de céder quoi que ce soit, parce que c'est affreux. Exactement. Il y a déjà des hommes qui violent des petites filles. On a appris qu'il y avait des violeurs de bébés de 10 mois. Oh là là. Où va-t-on que ces individus soient placés sous une camisole chimique qui les empêche de commettre des erreurs, ou des crimes, oui. Que des femmes puissent s'aimer, c'est d'accord. Mais qu'il y ait de la violence, certainement pas. Que deux hommes puissent torturer l'autre parce qu'ils ne veulent pas se donner à eux, ce n'est pas acceptable. Donc, quand il y a le consentement, et que c'est l'épanouissement personnel du couple, de deux femmes ou deux hommes, ce n'est pas à moi, Henri Caillavé, qui suis hétéro, à apprécier ce comportement. Je le respecte à condition que moi-même, je ne me livre pas sur la place publique à la débauche. Non, ce n'est pas dans ces conditions, la possibilité pour un autre de se comporter, j'allais dire, malencontreusement. Alors je me suis battu pour cette identité, évidemment, de l'homosexualité. Oui. J'ai été très critiqué, mais je constate que en Espagne, le mariage est licite, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, au Danemark. Et nous, on ferme. On ne veut pas le savoir. Alors on a le Pax. Je suis un des initiateurs du Pax. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Ce que veulent, enfin, c'est ce que j'essaie de comprendre de la part des femmes et des hommes qui sont des homosexuels. C'est qu'ils souhaitent être reconnus par le mariage à égalité avec les autres. Ils ont bien le sentiment qu'il y a une discrimination. Puisque moi, je suis marié et vous, vous êtes paxé. Donc, pourquoi ne pas leur donner cette satisfaction? Parce qu'il y a le problème de l'adoption qui se pose. Aujourd'hui, je suis un inverti. J'ai 30 ans. Je peux adopter un enfant. Et puis après, je vais vivre maritalement avec un homme. Alors l'enfant sera bien élevé par deux enfants. Alors à ce sujet, moi j'ouvre ici encore une autre parenthèse. Pourquoi je me suis battu pour les mères porteuses? Lorsque j'ai dit, voilà une femme, son utérus n'est pas porteur. Au bout de deux mois, elle va expulser son embryon. Elle veut être mère. Ouais. Elle a la possibilité d'être mère. La nature le lui interdit. L'homme peut se substituer à la nature. Donc, faisant une procréation médicale assistée, nous prenons l'ovocyte de cette femme, nous le faisons féconder par qui elle veut, et ensuite, je nide dans l'utérus de la personne qu'elle a choisie, la femme tierce, la femme de substitution, la mère porteuse, qui va porter l'enfant et qui va délivrer l'enfant à cette femme qui est quand même biologiquement la mère. C'est elle qui a donné les ovocytes. Elle ne l'a pas porté, mais elle a la joie d'être mère. Alors, quand on sait que aux États-Unis, c'est à peu près 6 à 7 000 mères porteuses par an. Oui, qu'en Angleterre, c'est à peu près 800 à 1 000. À 1 000, oui, oui. Qu'en Hollande, c'est à peu près 600. Et qu'en France, on dit non, et que mon association a été dissoute, je me suis évidemment incliné d'avoir une décision du juge, je suis avocat. Ouais. Mais je trouve que ce n'est pas juste. Parce que moi, j'ai le droit d'avoir le bonheur d'être un père, et une femme n'a pas le droit à ce bonheur d'être mère. Donc, là aussi, je me suis engagé. Et ça, c'était le problème de la sexualité. J'en conviens. Mais je me suis efforcé d'aborder les débats les plus extraordinaires. Quand j'ai déposé le texte pour les transsexuels. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que la castration, ou l'excision, n'était pas un crime quand elle se situait dans un certain cadre. Moi, je vais vous dire, au Sénat, je vois un jour arriver une personne, je lui avais donné rendez-vous, elle m'avait demandé un entretien. Ouais. Une femme superbe, grande, des yeux magnifiques, superbe.
et avec la voix quand même un peu ronde. Mancane, voilà. Ouais. Et des mains un peu épaisses. Mais pour le surplus, une beauté de fille. Belle poitrine, la femme, superbe. Et puis, elle m'explique ses malheurs. Elle me dit, je suis un transsexuel. Je ne sais pas si je suis un homme ou si je suis une femme. Quand je passe à la douane, elle était dans une grande entreprise de tapisserie. D'accord. Et de mode. Quand je passe à la douane, j'ai tout le monde autour de moi, des attouchements scandaleux, et je suis obligé de les supporter, puisque ce sont des douaniers. Il faut venir les CRS, je deviens l'objet, je suis en exhibition. Elle m'a dit, vous ne pouvez pas savoir, je ne veux plus voyager. Et elle m'a dit, moi je suis un homme. Elle tombe sa jupe. Évidemment, je me rends compte que c'est un homme. Ah. Alors, si je fais castrer cette personne, si on lui enlève son membre viril, c'est un crime. Mais si ma loi est votée et que le docteur enlève par la chirurgie, ce qu'on fait au Maroc, ce qu'on fait en Angleterre, et renappe, refait un vagin. En Iran, des ayatollahs, c'est autorisé. Oui, je sais. Ça, c'est même. Dans ce pays, c'est même assez surprenant. Et donc, on peut à ce moment-là donner un nouveau sexe à des personnes qui le demandent. Alors là aussi, vous me direz, c'est très très marginal, c'est vrai. Mais cet élément de liberté, il faut le protéger partout. Et c'est parce que la liberté est d'une manière permanente en danger qu'il ne faut jamais baisser la garde. Et c'est pourquoi je vous disais, je suis un révolté, je suis un rebelle, je suis un combattant. Et si même dans l'au-delà, je peux combattre, je n'hésiterai pas. Pour deux siècles. Vous écoutez radio, ici et maintenant, sur 95.2 FM. Vous regardez la télé, ici et maintenant, .com, bien sûr, dans le monde entier. Et j'ai le plaisir et l'honneur de le recevoir encore une fois dans notre studio de la radio, ici maintenant, mon maître et sénateur Henri Kayavé. On le doit beaucoup, c'est-à-dire un législateur révolutionnaire de deux siècles. Maître Henri Kayavé, c'est combat, ça continue, et il n'arrête pas à continuer le combat qu'il a commencé depuis sa jeunesse. Grâce à vous. Merci. En plus, je vous cache pas, je suis n'importe où, mon cher maître Henri Kayavé. J'étais à Londres l'autre jour, à Luxembourg, j'ai donné une conférence, en Belgique. Vous savez que les gens, ils vous connaissent, ils ont beaucoup de respect pour vous. C'est-à-dire, l'autre jour, j'ai entendu Michel Alliot-Marie, il disait dans son débat avec Nicolas Sarkozy, comme quoi, quand je suis n'importe où, on parle de la Tour Eiffel et tout de suite on parle de Jacques Chirac. Mais je veux vous dire, avant de parler de la Tour Eiffel, je suis dans n'importe quelle réunion dans le monde, on parle d'Henri Kayavé, je vous assure. Et surtout, je veux, sur l'antenne bien sûr, présenter la salutation de deux personnes qui m'ont chargé de vous saluer, mon cher maître. Une, c'est Chabanou, la reine, l'ancienne reine de l'Iran, Farah Pahlavi, que nous avons pu voir son interview avec Mireille Dumas, grâce à vous, la semaine dernière. Alors, Chabanou m'a chargé de vous présenter ses salutations, notre ami Roger Ernoux, qui avec Charles vous étiez un ami, comme tout le monde on vous respecte beaucoup, pourquoi, puisque Henri Kayavé c'est notre maître, nous on continue toujours d'apprendre des choses de maître Henri Kayavé. Mon maître, et actuellement, voilà, tout ça, ça veut dire que vous êtes idole d'une partie des intellectuels, voilà. Un icône. Savants, idole, un icône, symbole. Icône. Alors, c'est qui votre idole? Quand vous étiez, vous, jeune, un jeune garçon de 20 ans, 25 ans, Henri, c'était qui votre idole? Et après, j'aimerais bien de nous donner deux, trois idoles quand vous avez dépassé l'âge, c'est-à-dire 30 ans à 50 ans. Donc, l'histoire contemporaine ou dans l'histoire lointaine. Et vos symboles, c'était qui? Je vais vous dire, moi, ma chance, c'est de ne jamais avoir été vaniteux. Je ne sais pas ce que c'est que l'orgueil. J'ai fierté de quelques résultats, on en a parlé. Je pense que j'ai œuvré dans le sens du progrès. C'est une satisfaction morale, pour moi, considérable. Mais je pense que il valait mieux que je sacrifie par mon honnêteté intellectuelle et mes engagements des carrières ministérielles plutôt que d'abandonner la vigueur législative. J'ai servi deux patrons, trois même, Herriot,
dont j'étais le secrétaire parlementaire, René Maillère, qui était en grand commis d'État, et j'étais également le ministre de Pierre Mendès-France. Et Pierre Mendès-France est un homme qui m'a beaucoup marqué, parce que politiquement, il avait une grande probité. Il nous a convoqués, nous n'étions pas nombreux, nous étions 22, et nous avons fait, entre guillemets, marcher la boutique à 22. Il avait des idées, on les acceptait ou on les rejetait, mais c'était un patron, c'était un chef. Et il y avait de sa part un rayonnement, un dynamisme qui faisait que vous étiez son compagnon et que vous étiez sans défaillance. Alors c'est vrai qu'il faut quand même, au soir de son existence, se dire, est-ce que, à ce moment-là, tu n'as pas été un peu en montgolfière, est-ce que tu n'as pas été un peu vaniteux? Franchement, je ne le crois pas. Parce que, d'abord, je suis un homme d'écoute. Vous savez, le plus difficile, c'est pas de croire en Dieu. Le plus difficile, c'est de s'interroger sur le non-Dieu. Pourquoi il n'y a pas de Dieu? Il faut donner une réponse. C'est plus difficile, c'est vrai. Oui, c'est permanent. Donc moi, j'étais un homme d'écoute. J'ai fréquenté des ecclésiastiques, j'en fréquente. J'ai fréquenté des commerçants, des industriels. Ils m'ont beaucoup appris. Ils sont souvent des personnes simples, dites simples, qui m'ont enrichi. Parce que je considère que nous sommes riches avec la tête des autres. On est intelligent avec autrui. En soi, on a des connaissances, on a de la culture, dans la mesure où on lit beaucoup, où on s'intéresse, mais il faut écouter. Et vous dire, tiens, cette personne ne pense pas comme moi. Et moi, j'ai eu la chance d'être l'ami, je dis l'ami, parce que j'ai déjeuné souvent Ville d'Avray avec lui, Jean Rostand. Jean Rostand était un homme exceptionnel. Jean Kelevich, avec lequel j'ai fait ma licence, également fabuleux. Jacques Monod, que j'ai souvent rencontré, également un personnage de haute futée. Et quand j'étais au comité éthique, mon ami Axel Kahn, Axel, c'est un homme qui m'a beaucoup appris. Le président Pierre Changeux m'a beaucoup appris. Il y a des jugements que je portais et que je ne porte plus. Monsieur Jean Bernard, qui vient de décéder, un des grands patrons du sang, m'a aussi fait valoir des remarques et des observations. J'ai changé, parce que je ne détiens pas la vérité. Je cherche la vérité. Et nous cherchons tous la vérité. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dogmatique. Il faut accepter l'accès d'autrui. Il faut être précisément pour le pluralisme. Un laïc est un homme qui a foi dans l'homme et qui va au-devant de l'autre, qui écoute l'autre et qui parfois approuve l'autre. Et on n'a pas toujours raison. On a souvent tort. Donc il faut écouter aussi. Et si vous êtes, par rapport à moi, dans une situation d'intelligence et de pratique immédiate, je n'ai pas le droit de dire « je rejette ». Non, je ne suis pas un ton qui vient buter sur une fenêtre lorsque la porte est ouverte. Je suis obligé de m'adapter. Et l'adaptation, c'est, je crois, une des grandes qualités de l'intelligence humaine. Donc l'homme est adaptable, c'est un matériau exceptionnel, il n'empêche que c'est avec autrui et par la collaboration en équipe, en solidarité, que l'on peut réussir. En équipe, c'est vrai, mon maître, travailler en équipe, c'est très important. Et est-ce que c'est travailler en équipe qui vous a ramené de temps en temps pour pouvoir aboutir certaines lois que vous désiriez, de créer des associations? C'est-à-dire, créer des associations, c'est pour mieux être entendu. Ce qu'une partie de la jeunesse d'aujourd'hui, il oublie de le faire s'ils vont arriver à quelque chose. C'est-à-dire être unis, être réunis dans un endroit, dans un cercle, dans une association, dans un petit mouvement, pour pouvoir mieux entendre cette vie associative. Oui. Quand je me suis occupé des mères porteuses, on a créé une association avec le docteur Sacha Geller, voilà, de Marseille. On a considéré que les cogitations personnelles du docteur et d'Henri Cagnavé, c'était intéressant, mais il fallait un haut-parleur. Et il fallait se battre. Il fallait se battre au plan législatif et au plan associatif. On a donc créé une association. Lorsque M. Landa,
qui avait fait un article dans le journal Le Monde, en 1980, Mourir dans la dignité, avait reçu 300 ou 350 réponses. Il est venu me voir au Sénat et m'a dit, Monsieur Caillavé, je souhaiterais que vous fussiez le président d'une association que je vais créer. Je lui ai dit, non monsieur, je ne peux pas, je suis parlementaire, ouais. Je suis sénateur, j'ai donc des engagements politiques, l'association doit être neutre, surtout que la mort nous concerne tous. Non, plus tard, si je ne suis pas parlementaire, je vous rejoindrai. Et ce n'est que plus tard que je suis devenu président. Et quand j'ai pris la présidence, on était à peu près 3004, 3005. Lorsque j'ai, à mon deuxième mandat, parce qu'après j'ai dit, il faut ne plus se représenter, j'ai quitté, on était plus de 32 000. Et aujourd'hui, nous sommes 42 000. Donc, on a une association. Il ne suffit pas d'aller voir le député, il ne suffit pas d'avoir connaissance et de respect pour le sénateur. Il ne faut même pas avoir la réponse du président de la République. Il faut aller voir les gens pour que ce soit ces gens-là qui se battent. Et là, le terme associatif est pleinement recevable. Merci mon cher maître Henri Caillavé. Comme vous savez, la radio ici maintenant, depuis déjà plus d'un quart de siècle, il donne en même temps la parole aux auditeurs, mon cher maître Henri Caillavé, les auditeurs aussi pour poser des questions, mais tout à l'heure, avec une petite pause de 3 minutes, on va commencer à parler sur Un esprit libre. Dernier livre qui est sorti sur Maître Henri Caillavé, un entretien, bien sûr, cet entretien est très très riche. On va, c'est-à-dire, moi quand j'ai fouetté ce bouquin-là, comme j'ai porté dans l'histoire, depuis qu'Henri Caillavé il a commencé son combat à ce jour-là, et c'est un homme vraiment très 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 libre d'esprit, qui a fait beaucoup de changements dans le monde. On est sur le sortable. Sept changements dans le monde, vous-même vous venez de citer quelques pays concernant l'euthanasie, même sur beaucoup de choses. La laïcité, moi je me rappelle, mon cher maître Henri Caillavé, il est déjà 25 ans, premier jour quand je parlais de la laïcité pour mes compatriotes perses, puisque la laïcité en persan, on le dit « kherad gerai ». Et l'âne, animal âne, aussi on dit « khar ». Alors, je vous assure, il y a déjà 25 ans, quand je pensais à parler et commençais à parler de la laïcité, les journaux des ayatollahs en Iran, ils ne connaissaient même pas ce mot-là, puisque quand ils voulaient écrire le mot en persan, ils se trompaient de l'écriture, de l'orthographe. Mais aujourd'hui, nous pouvons constater que même en Iran, pays des ayatollahs, on parle beaucoup de la laïcité, beaucoup, beaucoup de la laïcité, de la jeunesse, les femmes et tout ça, et dans le monde entier. Et ça, nous, on peut dire que cette laïcité de notre époque, première lumière, on a pris de Henri Caillavé. C'est pour ça, qu'il soit de l'Orient jusqu'à l'Occident, j'étais autrefois à Los Angeles aussi, dans une communauté francophone, en train de parler, dès que j'ai cité votre nom, à la fin, je vois deux personnes viennent me voir, professeur à l'université, en me disant, on a connu maître Henri Caillavé. Comment va-t-il? Alors, après une petite pause, on va continuer notre émission avec maître Henri Caillavé. Que je veux parler à vous, votre invité. Oui, sénateur Henri Caillavé, il vous écoute, allez-y. Oui, merci, bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Je suis à l'antenne. Oui, oui. J'ai entendu votre discours, vous avez abordé beaucoup de questions, vous avez parlé de bébés médicaments, de clonage, de transsexuels, il me semble qu'il y a un quatrième point. Moi ça me dit, votre discours sur les bébés médicaments surtout me heurte. Je sais que actuellement aux États-Unis, il y a une agence qui vend des embryons. J'aimerais bien savoir si vous avez des informations là-dessus. Je sais aussi que, parce que je ne crois pas qu'on s'arrête à l'exploitation de cellules ayant moins de 11 jours. On a découvert, ne serait-ce qu'en France, avec horreur, il n'y a pas très longtemps, qu'on gardait des embryons, enfin ou même des fœtus. L'âge de l'avortement en France, l'âge légal, c'est 4 fois 4, 7, c'est 16 semaines. En Angleterre, c'est plus. En Belgique, c'est 6 mois. Et même en Espagne, à Madrid, il y a une clinique réputée pratiquer des avortements sur des bébés parfaitement sains. Moi, j'appelle ça des bébés.
parce qu'ils ont jusqu'à 7 à 8 mois. Jusqu'à 7 à 8 mois de grossesse, on pratique là des avortements. Je trouve que c'est avoir une vision très angélique de l'homme que de penser qu'il va se limiter à exploiter un amas de cellules ou le liquide amniotique pour récupérer des cellules souches et faire se livrer à ses expériences. Et les nazis qu'on avait justement qui pratiquaient ça horrifiaient tout le monde. Maintenant, je vois que on prend ce chemin-là de la marchandisation. En plus, il va y avoir une demande qui explose si on accepte l'adoption homosexuelle. Je ne voudrais pas qu'on donne la vie, qu'on emploie en plus des pauvres, des gens qui seront dans des situations financières difficiles, à qui on va fixer cette tâche de donner la vie pour finalement la reprendre. Donc voilà la question, le problème éthique que je me pose. Et je ne vous cache pas que je suis tout à fait opposée à votre combat de ce point de vue. Je vous remercie. Et vos propos sont fort intéressants. Et cela peut vous paraître surprenant, je les comprends. Je les admets peut-être pas tous, mais j'imagine quel est l'effort intellectuel et sentimental, éthique qui est le vôtre pour parvenir à une telle appréciation. Il est certain qu'il est inacceptable que l'on puisse marchandiser un embryon et le vendre. L'homme est une fin en soi. C'est d'ailleurs pourquoi je disais tout à l'heure que lorsque j'ai fait voter la loi sur la greffe d'organes, à l'évidence, le don était ce qu'il est étymologiquement, un acte gratuit. Il est impensable que dans nos sociétés occidentales démocratiques, avec l'espoir que nous serons accompagnés par d'autres, on puisse en effet vendre, acheter des embryons. Par contre, si on prend des embryons de 38 cellules, c'est pas beaucoup, il faut les regarder au microscope, on peut à ce moment-là bénéficier de cellules souches. Alors évidemment, si vous êtes croyante, 38 cellules dans la glomérule, c'est déjà la vie d'un être humain. Pour moi, certainement pas, il n'y a pas de diversification. La vie ne peut apparaître au sens humain du terme que au 11e jour, lorsque précisément les cellules vont chacune avoir leur fonction, quoi qu'il en soit. Si, en prélevant uniquement quelques cellules, nous pouvons faire progresser la science et faire en sorte que des personnes qui ont la sclérose en plaques soient sauvées, que celles qui seraient menacées ne le soient plus, que celles qui devraient risquer la maladie d'Alzheimer, qui est également épouvantable, ne seront pas frappées pareillement. Je dis qu'il appartient à l'homme, dans un cadre juridique strict, oui, de faire en sorte que nous puissions faire progresser la biologie pour le profit de l'humain. Pour le surplus, je ne pense pas, et je l'ai dit d'un mot, qu'il faille aboutir, ce serait désastreux, au clonage. Le clonage est un péché contre l'esprit. Je ne sais pas quelles sont vos convictions philosophiques. Moi, j'ai un grand respect pour la dignité humaine. Je pense que, même s'il n'y a pas de créateur dans l'univers, l'homme est digne parce qu'il est humain. Et qu'à ce titre, nous devons toujours lui porter respect. Alors, quand vous abordez tous les autres débats que j'ai évoqués, vous avez le droit, évidemment, de ne pas accepter mes propositions. Vous auriez, comme parlementaire, pu voter contre. Il y a des textes que j'ai fait voter qui n'ont pas eu l'unanimité. Ils ont eu la majorité. Mais franchement, je pense que lorsque j'ai défendu la liberté sexuelle, lorsque j'ai également voulu redonner de la dignité aux transsexuels, lorsque j'ai voulu que les femmes puissent avoir la joie de la maternité par la procréation médicale assistée, je ne vois pas en quoi je pourrais en quelque sorte altérer le plan divin préétabli dans la mesure où vous êtes croyante. Parce que je pense que l'humain mérite notre considération, mais l'humain a le droit de faire des progrès. Et si des hommes n'avaient pas eu l'audace de tenter des aventures, nous serions toujours les hommes de Cro-Magnon. Alors, ne parlez pas des nazis. À l'évidence, c'est effroyable. Mais là, les nazis ne faisaient
pour des intérêts politiques sordides et pour des aberrations mentales. Là, vous êtes avec qui? Vous êtes dans le cadre d'une démocratie, d'un régime de droit, avec des savants, avec le contrôle à la fois déontologique et parlementaire. Ce n'est pas du tout comparable, mais pour autant, c'est vrai qu'on doit se poser des questions, et c'est pourquoi je disais, méfions-nous de toutes les dérives. Et c'est en cela d'ailleurs qu'il nous faut nécessairement être plus que vigilants. Dans la persévérance de l'action, ceci ne nous interdit pas, par ailleurs, d'être plus que attentifs à ce qui pourrait être un désordre. Et je vous remercie, madame, des questions que vous m'avez posées. Merci, Claude. Bonjour, Julien. Alors, la question de Julien, mon cher maître, est surtout dans le livre qu'on vient de le livre, on peut dire, était publié récemment, tout récemment, dans l'esprit de livre. On peut dire que c'est votre livre, mon cher maître, n'est-ce pas? C'est votre livre. Alors, vous avez écrit depuis des années, mais ça c'est votre dernier entretien avec Paul. Vous-même, comment vous voyez ce livre-là, mon cher maître? J'ai accepté que M. Paul Marcus ait des entretiens avec moi et que nous publions à Cherche Midi précisément cet ouvrage. Paul Marcus est un historien. C'est un homme de grande culture, et notamment, il a un attachement profond pour ce que, dans nos manuels scolaires, nous appelions la Perse. Et il est professeur, à la fois au lycée Carnot, aujourd'hui à la retraite, et professeur, il était également à Sciences Po. Donc, nous avons parlé très librement, cela a duré plusieurs mois, d'une manière discontinue. Cet ouvrage est brut de décoffrage. Il n'y a pas de retouche. Il y a des répétitions, mais il n'y a pas de retouche. Et c'est pourquoi je crois qu'il est vivant. C'est vrai que j'aborde des débats difficiles. J'aborde des débats politiques, j'aborde des débats sociaux, j'aborde des débats éthiques, j'aborde même un débat difficile, l'inceste. Et c'est vrai que en France et en Occident, il y a beaucoup plus de pratiques d'inceste que vous ne pouvez l'imaginer. Donc, je me suis engagé dans ces voies et je me suis efforcé de faire aboutir ce que je crois être une vérité. Dans mon ouvrage, dans le dernier paragraphe, oui, je parle d'une poupée de son. Qu'est-ce que c'est que la poupée de son? Je suis sur le quai de la gare Matabiau à Toulouse. Nous sommes en 1943, fin avril. Devant moi, il y a deux fous, évidemment, sur le quai de la gare. Moi, j'ai des faux papiers, puisque je vais organiser un parachutage d'armes. Et quelques jours avant, nous avons fait sauter un convoi allemand. Donc, je suis avec mes faux papiers, et je me rends à Agen. Et devant moi, je bute sur trois sous-officiers allemands, un couple qui porte l'étoile jaune, menotté, et la maman tient de sa main droite libre une petite fille avec une redingote, des grands yeux clairs et des cheveux blonds. Et elle tient contre elle une poupée. Dans la bousculade, la poupée tombe. Je la ramasse. Au moment où je la lui tends, elle a un beau sourire, un des sbires allemands me tape sur le bras et je tombe la poupée. À nouveau, la poupée est écrasée. Je la cherche, je la trouve, mais entre-temps, déjà, le couple s'était avancé dans le wagon. Je monte derrière dans des conditions difficiles et je me dis, ils sont là. Et pourquoi? Et de fait, je bute sur un compartiment qui est fermé et il y a écrit « Verboten », impossible d'entrer. Donc, il y a le couple, il y a l'enfant et moi, je suis avec la poupée et mes papiers, mes faux papiers. Et donc, j'attends, je reste dans le wagon, debout, et il y a un couloir latéral, et je me dis, d'ici à Agen, quand même, une heure et demie de train, la fillette pourra aller peut-être aux toilettes, le papa, la maman, bah, je pourrais donner la poupée. Et j'arrive à Agen, personne n'est sorti du wagon, du compartiment, le train s'en va, oui, j'ai le sentiment d'un vide total. Et 48 heures plus tard, lorsque je reviens chez moi, et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je prends la poupée, je prends une grande pelle à neige, et j'incinère
cette poupée. Et je fais une petite tranchée et j'y mets les cendres. Et à ce moment-là, par une symbolique personnelle à laquelle je suis attaché, moi qui suis un libre penseur, je pense à cet enfant. Je lui donne un tombeau, elle qui va être jetée dans un crématoire et dont les volutes de fumée se perdront dans le ciel polonais. J'ai eu le sentiment que je me rapprochais d'elle, cet enfant inconnu, que je ne connaissais pas, que je ne connaissais jamais, qui ne venait de nulle part et qui allait vers la mort parce qu'elle était une petite juive. Oui, c'est vrai, j'ai fait cet acte symbolique et je ne savais pas que quelques semaines plus tard, à mon tour, je serais arrêté par la police allemande. C'est joli, joli, hein, non ? Ben, c'est très émouvant, forcément, oui. Ouais. Ce que vous venez de dire, oui, oui. Ah, oui. Ça, c'est une partie, oui, oui, c'est bon. Il a eu un petit problème, c'est réglé. Cher maître sénateur Henri Caillard, on a beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui vont poser des questions, mais j'aimerais bien qu'on parle encore de votre livre, surtout, je sais que vous avez un rendez-vous tout à l'heure aussi. Mais Julien, on vous écoute. Écoutez, moi, voilà, j'aurais voulu vous poser deux questions, en fait, que je vais essayer de faire très brève. La première question, c'est pourquoi est-ce que vous vous êtes concentré finalement sur le combat pour la liberté des mœurs et non pas tellement des opinions, puisque en gros, les opinions d'extrême droite, vous les avez farouchement combattues, et que finalement les opinions d'extrême droite ne sont intéressantes politiquement que parce qu'elles sont combattues. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est dans votre je viens dans votre combat, et je vous pose la question de savoir quand on sait le nombre d'enfants qui sont en attente d'être adoptés parce que leur maman doit signer un acte horrible qui est un acte d'abandon pour être adopté. Pourquoi est-ce que vous défendez le droit à l'enfant, qui est un droit de possession en fait pour une maman qui veut un enfant, voilà, qui veut connaître les joies de la maternité, alors qu'il y a tant d'enfants qui sont en mal de maman. Voilà, c'était les deux questions que je voulais vous poser. Elles sont d'ailleurs fort intéressantes. Très différentes. Oui, et vous êtes certainement jeune, et oui. À tout le moins, ce que vous dites est très sensé. Quel âge avez-vous, Julien ? 33 ans, donc je suis plus très jeune. Mais oui, enfin. Alors, très jeune. À votre âge, j'étais député, mais gardez votre jeunesse, et surtout votre fraîcheur d'esprit. Ben, merci. Je me suis occupé des mœurs pour une simple raison. Je suis étudiant à Toulouse. Je suis un rugbyman. Je suis un homme de combat. Moi, j'aime les sports collectifs et où il y a quand même de la virilité. Ça s'entend encore dans votre voix. Oui. Donc, je suis un rugbyman. Et je suis avec un de mes camarades de lycée, qui est notoirement un inverti. Mais ça ne me gêne pas. Son père est un ami du mien. Et c'est vrai, nous sommes à la licence de philo ensemble. Et nous prenons un jour, au café Albrie, le café, tous les deux, lorsque le garçon arrive et nous dit « Qu'est-ce que je donne à ces deux fillettes ?» Je vais vous dire qu'il n'a pas pu terminer, que le plateau était déjà par terre, que je lui avais fait une clé et qu'il était sur mon talon. Alors évidemment, émeute, basculade, etc. Et on m'embarque et je vais au commissariat. Et le commissaire de police en personne me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes étudiant ?» Je dis « Oui. » « Vous êtes étudiant en droit et en lettres ?» Je dis « Oui. » « Et vous battez pourquoi ?» Je dis « Monsieur, je ne me bats pas. » On m'insulte. On insulte un de mes camarades. Il est, à l'époque, on disait pédéraste. Ouais. Il est pédéraste. Ça ne me concerne pas. Sa pédérastie, ce n'est pas la mienne. C'est un de mes amis. C'est un très bon élève, un très bon étudiant. Je le connais. Je connais sa femme. Je connais sa famille. Donc, vous me permettez quand même que, puisque moi, je suis plus costaud que lui, et que je sache, parce que je joue aujourd'hui, plaquer ce bonhomme, c'est mon devoir. Il nous insulte. À partir de là, j'ai dit, mais de quel droit on peut se permettre de pareillement juger un individu sur son sexe. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, je dois avoir 19 ans, oui, je me suis intéressé aux mœurs, alors que, par habitude, je suis un hétéro, et j'ai essayé de tuer le plus de palombes possible, mais il en est resté dans le ciel. Mais pourquoi que aux mœurs ? C'est ça que je voulais dire. Pourquoi est-ce que vous avez plus centré votre combat sur la liberté des mœurs que sur la liberté d'opinion ? Attendez, je vais répondre. D'accord. Et vous m'avez posé donc une deuxième question, à laquelle je ne peux pas me soustraire. J'ai également déposé des textes sur l'adoption. Il y a d'innombrables enfants qui sont dignes d'être adoptés et qui sont dans la souffrance.
Je vais vous faire un aveu que je n'ai jamais dit à personne, publiquement. Je suis ministre de la France de l'Outre-mer. Je vais au Mali. Et là, dans une léproserie, un petit gamin de 3 ans, 4 ans, se jette dans mes bras et il me serre le plus possible. Je le prends, je l'embrasse. Il est plein de morve peut-être, mais c'est un beau bébé, c'est un beau petit garçon. Et pendant les 2 jours où je suis au Mali, ce gosse ne me quitte pas, sauf évidemment que les bonnes sœurs le font coucher. Ouais. Et je me pose la question, et c'était Colombani qui était gouverneur de la France d'Outre-mer. Ah, il me dit, si tu veux, j'avais l'avion évidemment ministériel, il me dit, si tu veux, tu peux prendre l'enfant et tu régulariseras une situation en France. Je tutoyais Colombani. Je me suis posé une question qui va vous paraître dérisoire et vous aurez raison. Je me suis dit, en Lot-et-Garonne, j'ai déjà 3 enfants, je n'avais pas mon 4e fils. J'arrive avec un petit Africain, on va dire ce qu'il y avait. Il avait aussi une maîtresse nègre. Qu'est-ce que c'est que ce personnage? Et nous avons voté pour cet individu. J'ai eu peur du candidaton, vous voyez. J'ai eu peur d'avoir peur. Et j'ai eu peur, et c'est vrai, que cet acte de lâcheté, je dis bien de lâcheté, parce que ma femme aurait accepté d'élever l'enfant. Parce que pour nous, il aurait été égal aux autres. Parce que dans ma vie d'homme, j'ai fréquenté des couples qui ont eu des enfants par la suite, après une adoption. Et des adoptions d'enfants étrangers, de couleur, jaune ou noir. Et ces enfants sont totalement intégrés. Je n'ai jamais été raciste. Je suis, au contraire, très attaché au métissage de la pluralité. Exact. Il appartient à chacun d'avoir son propre destin. Je vous ai répondu avec beaucoup de franchise. Peut-être, je devrais vous dire que le droit à l'adoption n'est pas simplement le droit de la possession. L'adoption, c'est aussi le droit de l'enfant. Je dis le droit de l'enfant. L'enfant qui est dans un ghetto, l'enfant qui est dans la souffrance, l'enfant qui est dans le malheur, l'enfant qui est à l'abandon, même dans une structure administrative, il a droit au bonheur, il a droit de la tendresse, il a droit à jouer avec son papa, il a le droit de jouer avec sa maman. Même s'il n'est pas de ma chair, il est à moi. Parce que un être vivant, c'est un être que l'on aime. Un enfant peut être étranger, on l'aime. Moi, j'aime les gamins. Et vous savez, quand je vois mes arrière-petits-enfants, à la sortie de la communale, se tenir par le cou avec un petit Africain ou un petit Asiatique, si vous saviez que j'ai un grand bonheur, je me dis quand même, il y a une évolution. La société n'est pas aussi sordide que je le croyais. Il y a des progrès, il y a des étincelles. Évidemment, nous sommes encore dans la nuit de l'orage, mais il n'empêche qu'il faut avoir confiance dans l'homme. J'ai foi dans l'homme, parce que j'ai foi dans la démocratie, mais parce que j'ai foi précisément dans le destin de ceux qui sont des hommes libres. Merci, sénateur Henri Caillavé. Vous écoutez votre radio ici maintenant. J'ai le plaisir de recevoir sénateur Henri Caillavé. Mon sénateur, je sais que vous avez un autre rendez-vous, mais comme la dernière question, vous, si vous permettez, puisqu'il y a beaucoup d'appels, c'est vrai, mais comme dernière question, la laïcité, à votre avis. Est-ce qu'avec un système pouvoir, un gouvernement de droite peut mieux avancer en France ou avec un pouvoir gouvernement de gauche? Personnellement, je suis laïque. Je vous dirai pourquoi. Je suis président d'honneur du comité laïcité république. Mes parents ne m'ont pas fait baptiser. Je ne suis pas enclin à recevoir le baptême. Les religions sont loin de mes préoccupations. Mais je respecte bien évidemment ce qui est pour beaucoup une sauvegarde, et à tout le moins, je ne sais pas si je n'ai pas tort. Donc, je n'ai pas l'ambition de dire que le dogme est faux, je dis simplement, il ne me concerne pas. Qu'est-ce que c'est qu'un laïc? Un laïc, c'est un homme d'ouverture. Parce que la laïcité, ce n'est pas simplement une notion juridique, la séparation des églises et de l'État. La laïcité, c'est précisément une espérance, la foi dans l'homme, de penser que l'homme est capable de progrès et d'accepter l'autre, parce que l'autre est un étranger.
et toujours à l'étranger. Donc, il faut que moi-même, je me dépouille de mon égoïsme pour écouter celui qui n'est pas semblable à moi. Mais celui qui n'est pas semblable à moi est aussi respectable que moi. Et donc, il faut que j'ouvre ce dialogue. Et c'est pourquoi le pluralisme religieux, le pluralisme philosophique, le pluralisme éthique est indispensable pour la sauvegarde et l'illustration du progrès. Un laïc ne jette pas d'anathème. Il ne punit personne. Il écoute, il respecte et il permet à tous de pouvoir s'exprimer. La laïcité, c'est un état de nécessité qui autorise chacun d'entre nous à affirmer ses convictions. Je viens de le faire. Vous n'allez pas me critiquer. Vous pouvez dire le contraire de ce que je pense. Vous êtes respectable et vous avez le droit de le dire. Si au contraire, je suis enfermé dans un dogme religieux, j'allais dire satanique, à ce moment-là, vous n'avez plus d'autre possibilité que de croire. Vous ne devez que croire ce que l'on vous dit et vous n'avez pas le droit de le discuter. L'esprit critique est à ce moment-là, aboli. Alors, sans esprit critique, l'homme serait non plus celui de Cro-Magnon, mais certainement celui de Néandertal. Donc, c'est vrai, pour moi, la laïcité, c'est le ferment de la liberté. Et c'est l'étincelle qui nous permet de découvrir les étoiles libertaires, les étoiles de la générosité, les étoiles de la solidarité. Oh oui, mais sénateur Mikhaïlo, je vous ai dit la dernière question, mais Morgan vient d'insister, il veut que vous parliez quelques minutes de vos souvenirs anciens de la Perse. Pardon ? La Perse, vous avez visité l'Iran à l'époque. Vos souvenirs d'Iran. Je suis allé deux fois en Iran. C'est un pays somptueux. C'est vrai que j'y allais avec la tête emplie par les grands mirages de l'Antiquité et l'histoire de la Perse, dont nous sommes les fils. Nous avons quand même, grâce aux Grecs et grâce aux Macédoniens, puis les Romains, nous avons quand même en partie reçu l'héritage persan. C'est physiquement... C'est un pays superbe, d'abord parce qu'il est avec des oppositions exceptionnelles. Oui. Et par ailleurs, il est d'une richesse historique extraordinaire. Quand je suis à Rome, je suis au milieu de décombres. Quand je suis en Grèce, je suis avec des temples, mais ou à Delphes, dans un lieu magique. Mais la Perse, c'est une ampleur toute particulière. A fortiori, lorsque vous allez à Persépolis ou vous allez à l'Ispahan. Oui, c'est vrai, ce sont des pays enchanteurs. Et quand vous passez de l'autre côté de la montagne et que vous arriviez sur la Gaspienne, c'est aussi une autre forme de culture qui apparaît. On voit bien l'influence de l'Asie à travers précisément toutes vos populations. Alors, moi je dis qu'il est dommage qu'un grand pays comme la Perse, qu'un grand pays comme l'Iran, ne soit pas un pays pleinement démocratique. Peu importe la bombe atomique, on a tellement mieux à faire que la bombe atomique. On devrait d'abord faire de la charité, puis en faire de la promotion sociale, et faire surtout que les gens vivent dans la paix, dans le bonheur, et surtout dans la félicité. Alors la Perse, oui, la Perse d'Antiquité est pour nous un exemple. L'Iran d'aujourd'hui, je forme le souhait qu'il découvre ses racines à nouveau, parce qu'elles sont magnifiques et elles touchent au cœur de l'homme. Merci mon cher maître Henri Caillavé, je vous embrasse très très fort. Merci d'accepter notre invitation. Et je sais que vous avez un autre rendez-vous et il y a beaucoup d'appels, mais ne vous inquiétez pas, très très prochainement, encore on va voir le sénateur Henri Caillavé avec nous, mes chers amis. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM.